Et salut à tous, c'est Kenny Gold, on se retrouve sur Plague Incorporation Evolved pour un nouveau gameplay en scénario officiel avec la téléportation en méga brutale. Il s'agit d'une stratégie avec le Vernurax qui, pour la première fois avec le... J'ai fait un petit peu de la merde, on va dire, la première fois, mais j'ai testé des trucs. Donc normalement, là, on va avoir une bonne stratégie qui devrait normalement nous être assez efficace. J'ai réussi également à le faire avec le virus Necroa, mais la stratégie est pas du tout fiable, je vous le conseille pas. Et avec le virus, là, ça peut aussi être possible, mais on va faire nous avec ce fameux Vernurax comme code génétique saut métabolique, mais on va en avoir besoin et vous allez voir, ça va nous rapporter un max mimétisme génétique pour que l'épidémie soit plus difficile à soigner, biome natif pour plus d'infectiosité dans le pays d'origine, extrémophile pour donner à notre épidémie un petit bonus dans tous les types d'environnement et transstase pour que les coûts de moyens de transmission n'augmentent pas. Voilà, méga brutal, et on va l'appeler téléportation Vernurax-méga brutal. Voilà, TVNMB. Bienvenue dans le script téléportation. Hop, hop, hop. On va commencer en Arabie Saoudite. Voilà. TVNMB commence dans la région Arabie Saoudite. On va accélérer tout ça. Apparition d'un Vernurax. Bien. Bah c'est très simple, on va commencer par faire l'inversion génétique. Oui, on va pas d'abord faire le mouvement, on va d'abord faire ça. Et vous allez voir, on va faire nécrophage plus tard peut-être, pas tout de suite, mais la régénération mutative 1 et 2 tout de suite. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas pris darwiniste cette fois-ci. Du coup, il n'y a pas beaucoup de mutations qui va se produire. Et c'est pour cela qu'on va les augmenter, ces mutations, via les régénérations mutatives. Et ça coûte pas cher du tout. C'est 3 points à peine. Et 4 pour l'autre, je pense. Du coup, voilà, vous aurez assez vite assez. Bah voilà, hop. Et ouais, 5 points pour la deuxième régénération mutative. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire mouvement accordéon et mouvement ondulatoire. Voilà. On va faire E1, E2. Il y en a certains qui prennent aussi l'Inde. Ça, je vous le dis, comme ça vous le savez. Il y en a qui prennent l'Inde aussi comme région de départ. Je n'ai pas testé. Mais bon, c'est à voir. La rupture neuronale qui vient de muter, donc c'est le premier des symptômes. Espérons que ça va muter dans les racines cérébrales et vers la transcendance, à la limite, pour que ça nous évite de dépenser nos points. On va faire les R1. Voilà. Et juste R1. Après c'est tout puisque de toute façon on va faire nos avions. D'ailleurs on va les activer maintenant. Voilà, avion porteur 1. Et ensuite, voilà, résistance au froid, aux médicaments. Et au froid 2 aussi. Et aux médicaments 2 aussi on va les faire. Racine cérébrale. Bah voilà, ça mute, ça continue. Combien? 13 points. Oula. Voilà, on a assez. Et enfin résistance au froid 2, 12 points. On va pas tarder, bah voilà, on a déjà assez. Celui-là, je vais l'envoyer au Groenland. On va faire les îles, oui. Pourquoi les îles d'abord? Bah parce que c'est celles qui prennent le plus de temps à être complètement infectées. Et du coup, voilà, une nouvelle maladie inquiétante se propage. C'est bon signe pour nous, ça. On va faire renforcement génétique 1 pour ralentir et anticiper la recherche du remède. Résistance aux médicaments 2 maintenant. Ruée folle vers l'étiquette portail. Ah, ça commence. Recherche du remède lancé en Arabie Saoudite. Ah, on a eu un avion. Ok, on va l'envoyer au Brésil celui-là. Parce qu'on a eu aussi un avion qui a été en Nouvelle-Zélande. C'est bien. Téléportation massive depuis le Mexique, carrément. Allez hop, résistance aux médicaments 2, c'est fait. Maintenant, on va faire tout ce qui en ce qui concerne le renforcement génétique pour ralentir. Et on va continuer à faire un petit peu de transmission. Confusion maintenant qui mute. Ce sont quand même de bons et gros symptômes. Téléportation massive depuis la Corée. Et ils vont tous regarder, je vais vous montrer. Ils vont tous au Groenland. Ils vont tous aller au Groenland. Il y en a certains, ça va être un truc de fou. Celui-là, on va l'envoyer en Amérique centrale. Celui-là aux Caraïbes. Hop, voilà, renforcement génétique 2, c'est fait. Maintenant, il sera bien ralenti. On va faire nécrophage 1 et 2. Comme ça, quand il y aura des morts, bah, ça va augmenter l'infectiosité. On va faire insectes, rongeurs et oiseaux 1. Hop. Nouvelle-Guinée.
Les pas infectés, le Japon c'est fait, les Philippines c'est pas fait, donc on va y aller. Voilà. J'ai des bulles à exploser de partout, je ne sais plus quoi trop faire. Voilà, oiseau 1, on va pas faire oiseau 2, etc. On va plutôt faire en ce qui concerne la rongeur 2. Si vous voyez que dans les pays urbains et riches, ça n'avance pas, vous pouvez faire rongeur 2. Mais nous, on va juste faire insecte 2. Et on va faire résistance au chaud 1. Voilà. Maintenant, on est bon. On économise nos points pour nos symptômes par après. États-Unis commence à s'effondrer. Lobe frontal, ça mute. Qu'est-ce qui n'est pas infecté encore? La Suède. Les portails rendent possible le gâteau infini. Bah tiens, hop, la Norvège, la Finlande, pardon. La Norvège, aucun rapport. Est-ce que le Maroc est infecté? Oui, mais on va quand même donner un petit boost. Ouais, la recherche qui commence à aller assez vite là. Bon, on va déjà faire tout ce qui concerne les symptômes qu'on a dit. Oui, voilà, vous voyez, ça a muté jusque lobe frontal. Après, ça a été dans le choc perceptif, mais bon, c'est déjà ça. Manie, obsession, dévotion, transcendance. Voilà. Et question de rajouter plus d'infectiosité, de sévérité, la folie. L'Ukraine, il n'y a pas beaucoup d'infectés en Ukraine. Voilà, la Turquie aussi. Dans certains pays, ça prend vraiment, vraiment son temps hein, pour se propager, je vous le dis déjà. Hop, on va continuer de faire de la transmission. Bon, on va faire oiseau 2 et rongeur 2 du coup. R2 aussi. Hop, au Mexique. Donc là, il y a quelques morts, bien sûr, ça commence. L'adoration maintenant, bah ça continue de muter, donc c'est ça qui est cool. Les Baltiques, ça avance. Les Mexiques, ça avance. Bah, apparemment, c'est les Baltiques où c'est encore le moins, donc on va les envoyer aux Baltiques. Hop, R3. Donc là, on est au summum de l'infectiosité dans les pays riches chauds. Et on va commencer à faire bah, nos petits réassemblages génétiques, évidemment. Si on aura encore assez, je ne sais pas. Parce que là, j'ai dépensé beaucoup de points. Nouveau président des États-Unis choisi. D'accord. La Turquie. Oh là là, la Russie, c'est un truc de fou. Ça y va en Russie. Bouleversement perceptif, ça continue de muter. Amérique centrale, première mort confirmée. Bah, il serait peut-être temps, il y en a déjà presque 400 000. Voilà, c'est déjà fait. Hop. Bon, bah, à mon avis, d'ici peu, on devrait. Voilà, plus de personnes saines dans le monde. Et voilà, on met l'humanité en esclavage. On s'en fout, les avions. Et voilà, victoire, 2 étoiles sur 3. Bon, bah, c'est déjà ça, avec un score de 42 366. C'est bien, avec en 515 jours. Ouais, et 72%. C'est sûr que j'ai été beaucoup dans la transmission à la fin. Si on aurait peut-être fait un réassemblage, on aurait peut-être eu un meilleur score. Enfin, bref, voilà. Donc, voilà, les amis, pour cette téléportation en méga brutale. J'espère que ça vous aura plu. Donc, on se retrouve bah, pour le prochain épisode. Sans doute pour l'assistant du Père Noël en méga brutale. Ça pourrait être intéressant. Il nous reste encore le virus congé, etc. à faire. Et sinon, j'ai décidé de refaire Cré, Ego et Épidémie de Pirates, puisqu'on n'a eu qu'une étoile sur 3. Donc, c'est un peu de la merde, bah oui. Donc, j'essaierai de trouver une meilleure stratégie pour cela aussi. Enfin, bref, les amis, merci d'avoir regardé et à une prochaine fois. Ciao!